Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver après ces 10 semaines de télédéfis. Des télédéfis où vous avez été toutes les unes plus fortes que les autres. Vous avez fait des réalisations de ouf, mais ça je savais que vous étiez déjà au top. Et je suis très 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 fière de vous. Donc merci, merci, merci d'avoir participé, de m'avoir suivie dans cette aventure et d'avoir partagé avec tout le monde vos réalisations qui étaient vraiment splendides. Donc merci, merci. Merci aussi à mon fils et à ma fille, Elsa et Florian, sans qui ces vidéos, cette mise sur le blog n'aurait jamais eu lieu. Donc merci les enfants d'avoir suivi le moment dans le délire de ces télédéfis. Et puis comme toute bonne chose, ça a une fin. Donc les télédéfis c'est fini, les cours ont repris, reprennent sur juin, juillet. Je sais que certaines ne viendront pas avant septembre, je le comprends. Vigilance et prudence sont encore de mise, c'est pas grave, je pense à vous. Et bien, je vous donne peut-être rendez-vous cet été. Donc pour cela, je suis en train de réfléchir, parce que c'est vrai que vous m'avez sollicité pour l'été. Je réfléchis, j'ai pas encore tout bien cadré, mais peut-être qu'il y aura une petite surprise effectivement pour cet été. Alors je vous conseille une seule chose, c'est de vous inscrire à la newsletter du blog, parce que si je publie quelque chose, enfin si Elsa publie quelque chose, il faudra que vous puissiez la voir, et c'est le seul moyen, à moins que je vous envoie un mail, de voir toutes les publications du blog. Dès qu'elles paraissent, avec la newsletter, vous êtes tout de suite prévenu. Mais cela, il faut vous inscrire. Donc pour vous inscrire, c'est la colonne de droite du blog. Vous cherchez newsletter, vous mettez votre petit email, et puis voilà, il n'y aura pas de pub, il n'y a rien de particulier, n'ayez pas peur. C'est juste qu'à chaque publication, vous êtes simplement prévenu de ce qu'il y a sur le blog. Voilà, encore mille merci, j'ai hâte de vous retrouver en présentiel pour pouvoir scraper et papoter. À très très vite, au revoir.